Salut à tous, donc on se retrouve directement devant Muse, comme ça on n'aura pas besoin de... de poulet quoi, enfin de... de se taper tout le chemin. Donc on revient à Muse, je vous rappelle que Joey, voilà, hein, n'est toujours pas revenu. Donc on va aller voir Jess pour lui faire notre rapport. Et je vous rappelle également hein, que Victor et Flick n'étaient pas au courant qu'on était partis. On va faire notre rapport à Jess. Voilà. Est-ce que vous allez à la bibliothèque? Mais... bon bah alors, on va aller voir Jess. Il est où déjà, putain? Oh yeah! Je l'ai trouvé. Voilà. Ça c'est un livre, un des livres qu'on peut obtenir dans le jeu. Il y en a pas mal. Vous verrez, je vous donnerai des explications plus tard. Bah vous avez déjà vu un ensemble de sons tout à l'heure que nous avait donné, comment elle s'appelle, Elsa. Il y a des ensembles de fenêtres, hein, vous verrez plus tard. Parce que là, si je vous dis à quoi ça sert, je vous spoil le jeu, donc je vous spoil un endroit du jeu, donc là. Donc là, bah, on va retourner à la taverne. Donc on peut pas faire autre chose. Il y a Victor et Flick. Voilà, on leur raconte tout. Victor est un peu sur les nerfs. On retourne voir Annabelle. Mirabelle. C'est très bon lui, Mirabelle, je vous conseille d'en manger. Avec du fromage râpé. J'ai de la merde. Ce qui s'est pris dans la gueule quoi. C'est voilà le truc de Victor pour l'avoir. Non bah avec vos professeurs, coup de chaise, non je déconne. Bon, je leur donne quand même l'information, c'est bon. On va pas être aussi con que non plus. Cette pute. Ah, merci. C'est toi, mes luttes. Et voilà, on l'a dans l'os. Ou on l'a dans le cul. Dans l'os du cul.
Putain, à chaque fois j'appuie sans regarder là. Bon bah, en clair, bah. On a dit, je suis sûr qu'il va revenir. Donc elle va l'attendre devant la porte. Et nous, pendant ce temps. Non, je sais pas. Je sais pas ce qu'il faut faire. J'espère qu'une chaîne va, une scène va se déclencher comme ça, parce que. Ah ouais, voilà, c'est ça. Je me rappelle maintenant. Parce que. Bon, j'avoue que je suis un petit peu une solution. Mais c'est une solution rapide, hein, vite fait. Qui veut dire en gros où il faut aller, quoi. Et pas du tout les endroits ni rien. D'accord, putain. Juste pour, voilà, quoi. Pour pas perdre trop de temps. C'est un jeu que j'ai vraiment pas fini hein. C'est quoi même non je peux vous le dire parce que je peux pas encore montrer. J'allais dire c'est comme un autre jeu mais que je suis en train de filmer que j'ai pas encore montré ça se trouve donc je peux pas le dire. Et voilà bah ce jeu je l'ai pas fini. C'est-à-dire que je suis à la fin de la fin quoi. J'ai juste à faire le dernier boss et le dernier donjon quoi. Mais je l'ai jamais fini. Et en plus j'aurai pas la bonne fin parce que j'ai pas pu récupérer les 108 persos. Il m'en manquait un ou deux je crois. Et il faut les récupérer avant un certain moment du jeu sinon après. D'ailleurs il n'y a pas que 108 persos. Il n'y a pas que 108 persos puisque il y a d'autres persos cachés. Enfin, je vous montrerai ça en bonus. Non, voilà. Donc vous avez remarqué peut-être que je parle pas beaucoup pendant pendant le jeu. C'est vrai que depuis le début j'ai remarqué hein, quand je fais le montage de mes vidéos, pour moi je parle pas beaucoup. C'est parce que je suis aspiré par le scénario de. Pardonnez-moi. Ça va bien avec la musique. Non, franchement le jeu est excellent. Il se passe toujours des trucs. Ta gueule. Je trouve que le sang d'or puis le cas là. Ouais. Et ouais, il est revenu, vous attendez pas, je parie. C'est dégueulasse ça. Quand même, putain, il est plein de sentiments de jeu. Il se passe toujours des trucs. Franchement, au niveau du scénario, on peut pas dire qu'il se passe rien. On est servi, on est servi. C'est comme ça pendant tout le jeu. Enfin, sauf qu'après, c'est moins sentimental, c'est plus. Enfin, sentimental aussi, mais. C'est plus sérieux, on va dire. Du coup, je vais pas tester la force, l'étincelle. Faudrait que je vois ce que ça fait. Non, descend par où là? Ah oui. Je vais regarder.
Voilà. Donc on va à Justin Hill. Bon, quand même, il court vite, ce qui est bien. Parce qu'il y a des RPG où quand il marche, c'est comme ça. Quand il court, c'est. Comme ça, quoi. C'est voir, c'est un endroit assez sympa. On voit que c'est un mercenaire. Vas-y, la technique à Victor, pense. Ce truc, sérieux. Par ça, c'est pas grave. Pourquoi vous vous connaissez? C'est plusieurs? Non. Enfin bref. Voilà, et surtout, retenez bien, enfin, faites en sorte de vous rappeler de tous les persos. C'est tous des persos importants. Des alliés, hein. De la ville d'État. Donc, les deux qu'on a vu là, Camille et l'autre, c'est le chevalier de Mathilda, chef des chevaliers de Mathilda, chevalier. Teresa, Jules de Grignil, Gustave, Lord Quinto. Grande Meilleur, Tetsundo, Serre, Force armée de la ville de Melisa. Voilà, donc toutes des personnes importantes. Voilà la conférence de Hilltop. Là, je parle pas, en plus y'a pas de musique, hein. Mais bon. Je laisse lire. Les engueulades, hein, bien sûr, un peu dans toute conférence.
Ils sont rapides. Voilà, on va rentrer. Une conférence assez importante, hein, on voyait tous les chefs des villes. On peut voir ça comme ça. Franchement utile. Donc on va retourner. Alors, regardez la vue. C'est pas magnifique. Après la PS3 peut être habillée. Non, j'ai quoi. Alors, on va. Hop. On va retourner à la muse et on va aller chez Léona. C'est bon, je tourne au bon moment cette fois. Sur le décor, on voit les deux en haut qui discutent. En bas à droite, on voit les deux qui s'occupent de Pilika. On va tenir debout. Ah, bien sûr, alors. Quand on n'est pas volontaire, il nous oblige. Et quand on est volontaire, allez vous faire foutre. Hein. Prêt à se battre. Parce qu'elle est quand même la chef de la ville principale de la ville-état. De. Ouais, évidemment. C'est également une connaissance de Genkaku, donc elle est importante. Quoi. Oui, l'autre il nous fait un petit tour comme ça. Ça. On va peut-être faire une toupie. Le blade. Donc là, ce serait quand même une vidéo plus histoire qu'action. Hein. Voilà. Et je vais vous laisser ici, juste après la sauvegarde. Je vais exprès de faire différentes sauvegardes, au cas où on sait jamais. Question de sécurité. Voilà. Donc, bah, je vous dis à la prochaine. Allez, salut !